Nico, troisième du SMIC classique. Surprise. C'est trop près là. Ça me fait une tête comme un Jean-Philippe Ravjo. Tu réanimes là. On n'a pas fini le match. Allez. Camille, victoire attendue parce que en l'absence de vision intense, la dernière fois, elle avait été. Elle a tiré. Enfin, les 3-4 on l'a refait. 1, 2. Louis Viva, deuxième. C'est une belle performance pour elle. Ouais, on n'en demandait pas tant. Camille, Wolf est un... Oh putain, ça va aller. Ouais, allez, ouais, s'il te plaît, sois professionnel. Camille, un semi classique dans la poche. On peut revenir sur son parcours, tu l'as vécu comment? Elle est partie au galop? Non, elle n'est pas partie au galop. Faut regarder les courses avant de poser les questions, monsieur Hagen. Elle n'est pas partie au galop, elle est bien, très bien partie. Et par contre, elle a fait une faute en montant. Ça lui coûte cher? Je sais pas, Philippe, ça lui coûte cher? La faute? Bah, on aurait peut-être gagné. Il est positif, c'est bon. La suite de son programme. Bah là, on avait visé une course fermée, mais du coup, on passe les gains. Alors, je sais pas trop, on va voir. On reste dans la catégorie des semi-classiques alors? Peut-être, ouais. Elle a pas été ridicule aujourd'hui, non? Tu veux pas l'interviewer toi, Claude Charles? Non. Ça fera deux clowns. Non. Alors Gaston, tout bien? Votez pour moi. Envoyé il y a environ un mois à Grosbois. Elle devait rentrer il y a 15 jours. Malheureusement, elle a fait un léger coup de sang, donc j'ai dit. Premier de 750 mètres et le dernier de 1000 mètres. On l'a refait ou? Non, c'est bon. Satisfait du travail? Ouais, la jument a bien travaillé, elle était bien souple, plutôt tonique, donc non, c'était pas mal. T'es un jeune entraîneur, mais t'as quand même pas mal de métiers. S'il y a une erreur que tu pouvais rectifier depuis le début de ta carrière, ça serait laquelle? Oh là là, là la liste est trop longue. S'il fallait que je rectifie toutes les conneries, non, j'en aurais pour un moment. Tu as un conseil à donner à un jeune entraîneur? Je pense que je suis pas bon pour les conseils. Parce que les conseilleurs sont pas les payeurs, alors c'est toujours plus facile de donner des conseils quand tu payes pas. La méthode de Louis Baudron, c'est quoi? Il n'y en a pas. Toi, tu te lèves le matin et puis tu travailles comme tu sens, tu essaies de faire les choses bien. Bon, tu fais des conneries, souvent tu fais plus de conneries que de choses bien, mais voilà. Alors, un jour comme aujourd'hui, on n'est pas bien là. Il y en a qui paieraient pour faire ça, tu crois pas? C'est sûr, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Mais je pense qu'il faut s'estimer. Moi, je m'estime heureux en tout cas. Je fais le métier que j'aime, ça se passe pas trop mal. Et voilà. C'est vrai que c'est un petit peu, pour moi, c'est pour l'instant, c'est le meilleur cheval que j'ai pu entraîner, c'est plus complet. C'est un plaisir de le travailler, c'est un plaisir de le travailler. Quand tu montes derrière le matin,
t'as besoin que de celui-là pour te remonter le moral, quoi. Bon, ça va, Yann, t'as pas eu chaud au cul? Le changement, c'est maintenant? Non? Il y en a, ils se font chier toute la semaine, ils attendent que le week-end pour aller faire ce qu'ils aiment. Nous, on a la chance, on fait ce qu'on aime tous les jours. Et encore plus le week-end. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre. Si le gars qui se plaint, faut mieux qu'il arrête. Il fasse autre chose, parce que c'est pas un métier que tu fais à contre-cœur. Enfin, je crois pas. Que ce soit des trotteurs, des galopeurs, des chevaux de polo, des chevaux de concours, il y a du bon à prendre partout. Un cheval, il est fait toujours pareil. Quatre pattes, une tête, une queue, donc... À partir de là, t'as tout compris, il y a mille façons d'entraîner un cheval. C'est ça le plus grave. Là, par contre, je le sais. Là. Et, la semaine dernière. Ouais.